Passé de une réalité là. Côté que depuis l'année 2008, nous avons initié dans la Comatissant et notion de festival compas pour honorer la mémoire de l'immortel de Jean-Baptiste. Mais nous estimons, après 6 années d'édition, nous estimons que ça va suffire. C'est ainsi que nous avons une vision de mettre l'école de musique de Jean-Baptiste. En 2008, nous avons pour mettre la population en ligne. En 2012-2013, là, nous élaborons le projet à nous soumettre USAID. Et je pouvais agréer. Je contacter le ministère des Affaires sociales, c'est-à-dire que je viens implanter le projet. C'est une école qui forme, d'une part, pour nous venir, mémoire de Jean-Baptiste, et d'autre part, pour nous former les jeunes. Dans l'objectif de combattre la violence, la délinquance, l'oisiveté et la prostitution. C'est ça l'idée. L'idée, c'est quand tu si vous avez une idée pour aller en tant que douteuse, c'est mettre un instrument dans mes mains. Comme on aime défendre la tête dans le pays à tous les niveaux. D'accord. Et nous avons parlé tout à l'heure de manque d'instruments. Comment ça? Comment nous faisons ça? Et combien d'élèves nous avons recevoir par session? Tu as supposé qu'il y a 50 personnes qui graduent là aujourd'hui. Mais comme nous avons un instrument pour tout venir jouer, il y a 22 élèves qui graduent là, qui sont des musiciens. Qui gardent dans l'école là. Forme d'aujourd'hui à tout notre promotion baptisée innovation. Nous tous implantons jazz en démentition, c'est immortel compas. Côté que Timonio, il y a joué dans jazz. C'est eux-mêmes qui ont joué dans la salle à suivre, qui a chanté dans jazz, qui a joué dans jazz. Et nous avons un petit nom de Baptiste là avec nous, qui entraîne dans le mouvement, côté que nous avons fait autre ensemble avec elle. Ou dit, élève, tu as supposé qu'il y a 50 élèves ou bien étudiants qui pour graduer, ils pas de temps graduer. Donc, comment nous pouvons faire ça pour nous gérer ça pour l'autre promotion qui pour graduer? Comment nous pouvons faire ça? Si les gens qui pas graduer, comme nous, avons un appel, par l'État haïtien, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires sociales, le président Jovenel Moïse qui vient dans l'autre vision pour le pays. Moi-même, je suis fait. Il y a une décision de prendre. Je suis déjà comme le président de Bakabrayo. Comme moi, c'est Matisse, je suis venu à l'idée pour mon cadre de la jeunesse. Si les gens qui gardent, ils ne pas le faire camper. Quand il y a l'autre, ils ne pas entrer d'emblée en pratique. Très prochainement, pour nous faire un ou bien l'année prochaine, pour nous recevoir la graduation, même nous n'avons pas d'instrument. Nous gardons son appel à tous les ministres de Bakabrayo. Si chaque grenier qui est dans le basket, nous avons acheté Diazio, Choubou, Gassa Delva, Jacques Sauvage, sénateur Jacques Sauvage. Si tout le monde joue musique, tous ces musiciens, soit dans le Parlement ou bien au jazz, c'est un marathon. Pour ton, chaque pour ton, on gagne des instruments à faire l'école. Donc, c'est Nemo Jean-Baptiste qui est important. Parce que Nemo Jean-Baptiste, après, vivre dans le même monde. C'est fort, mais puis Nemo Jean-Baptiste dans la Comatissant, oui, qui fait me devenir de l'école là, pour nous combattre, pour nous travailler contre la violence. Après, c'est mon de graduation. Ça. Pas bien parce qu'on est petit monde, tout le monde, on va nous. Parce que c'est l'école gratuite. Là. Sur l'école à bien lucratif, côté que de 8 à 20 ans, Timon a bien en goutte. L'école là, combien de temps et puis combien d'années Timon était passé pour être capable d'apprendre la musique? Timon a gradué sur 3 ans, mais l'école là, 4 ans. Là, pour l'année, ça nous va te faire l'école là, 19 mars. Ça nous va te faire parce que nous avons fait la cérémonie de graduation. On connaît une situation pays. Fiel, moi, on connaît que sacrifice nous,
pas inutile dans pile souffrance que nous passons pour réussir étude ça. Qui journée aujourd'hui vient rendre que nous gagnons une assurance professionnelle. Fiel moi yo. Moi voulais que nous restions un bon professionnel. Même dans la situation qui est plus difficile dans la vie. Moi voulais faire nous connaître étude la profession. Nous besoin toujours à faire recherche sur lui juste pour nous continuer à grandir connaissance musique nous. Moi connais que la vie jeune professionnel dans pays nous pas facile. Mais m'a dit nous qu'embé bâton la vie nous gagner un jam parce que lui c'est bâton réussite nous. Moi féliciter chaque parent qui était d'accord confier direction l'école musique Nemo Jean-Baptiste petit yo pour te exclure yo et comme ça tout moi pas capable pas féliciter nous pour volonté apprendre ça moi capable dit que me fier de nous et moi pas seulement dit nous bonne chance sur marché travail là mais m'a dit nous bon courage c'est vous succès suivre nous moi aimé nous en pile moi fier de nous que société a fier de nous tout la positivité non. Mes premiers mots, c'est d'abord pour féliciter les initiateurs de ce mouvement qui ont compris la nécessité d'encadrer les jeunes de leur quartier, leur donner un métier, leur donner le goût de la musique, le goût de l'art. Ne dit-on pas que c'est quand on a tout perdu, il ne nous reste que notre culture à vendre. Et c'est un peu le cas de notre pays aujourd'hui. Nous n'avons plus de café, plus de coton, nous n'avons plus rien. Ne nous reste que notre culture que nous devons défendre, que nous devons vendre. Et la musique faisant partie de la culture, donc le ministère de la Culture et de la Communication a donc compris la nécessité d'implanter certaines écoles de musique un peu partout dans le pays. Nous ne faisons pas de bruit, mais nous travaillons. Par exemple, à Inch, grâce au concours des petits frères et sœurs, nous avons pu monter une école de musique, ça fait 3 ans. Et nous avons 1500 jeunes des rues de 4 à 15 ans. Mais vous devez comprendre, ça coûte. Les instruments de musique, ça coûte. Donc, on y va graduellement. Donc, au nom du ministère de la Culture, je félicite encore ces jeunes qui pendant 4 ans se sont adonnés religieusement, journellement à ces cours de musique qui font que ce soir, ou plutôt cet après-midi, ils vont recevoir, non pas leur parchemin, mais quelque chose qui leur dit « Votre cycle d'études est bouclé ». Félicitations encore.